Kiersey laisse derrière pour Butler. Butler veut rentrer du côté gauche, laisse pour Hughes. Hughes laisse pour Valentine. Il y a de l'espace, veut couper son tir, bloqué. Le retour revient tout près pour Bullens. Et on va tenter de s'installer du côté des Sags pour ce court jeu de puissance. Wang utilise toute sa vitesse, laisse pour Nathan Lecomte. Lecomte en entrée de territoire, laisse derrière. Personne pour récupérer. Attention, là, Michaud sera le premier sur le disque, veut partir en échappée. Michaud qui est seul. Ça avance, une fin d'un tir et le but. En désavantage numérique, les Islanders de Charlottetown marquent le premier but de ce match. Ça appartient à Alexis Michaud. Alexis Michaud qui va enfiler l'aiguille. C'est son septième but de la saison. On en avait parlé un petit peu plus tôt. Et le meilleur marqueur de son équipe, alors, va enfiler l'aiguille ici. Il y a eu un revirement, là, petit... L'élément important des Sags se retrouve au moment des pénalités pour s'être fait frapper. Donc, c'est Alex Wang qui récupère. Wang. Wang. Bien dit. Bien, vu de même, c'est ça. Ouais. La Vallée va rentrer ce côté droit. Beau jeu de la Vallée, là, qui veut utiliser sa vitesse. En voie devant, c'est Bienvenu, le retour. Quelle chance ratée deux fois. Et Ruchia qui ferme la porte. Et c'est le cas, absolument. Il est capable de bouger bien ses pieds, comme on dit. Donc, provoque plusieurs chances de marquer. Et Cuzereau qui a le disque. Cuzereau dans le fond du territoire. Fait glisser pour Alex Wang. Wang envoie pour Lecomte. Lecomte devant pour la Vallée. Son tir, le but! Charles-Antoine Lavallée qui crée l'égalité. Son deuxième avec les Sags. Un marqueur naturel, ce Charles-Antoine Lavallée marque son deuxième but en... quatre périodes à peine chez les Saguenayens. C'est libéré parfaitement de la couverture dans l'enclave. Il y avait un défenseur des... Très loin. Duquette avec la pression, mais Flanagan récupère. Duquette réussit à pousser le disque, mais Flanagan reprend. Donc les Islanders gardent possession. Passe dans l'enclave pour Conrad. Son tir, l'arrêt de précourt. Le retour revient tout près. Et Raphaël préclame pour Bullens, qui laisse derrière pour Gagnon. Une longue passe pour Korneyev. Landel dans ses patins. Korneyev, quelques fins de haut attendu. Korneyev va se relever. Attention, Bredusik en échappé. Music, son tir, l'arrêt de précourt en sortant du banc des pénalités. Avec Bullens qui applique la pression. Vermette en contre-attaque. Vermette, longue passe pour Desruisseaux. Desruisseaux avec Prudhomme qui s'en va au filet. Prudhomme tente de payer l'attaque. Il va dans un tir qui est bloqué. Vermette, le retour. Quel arrêt du défenseur Jordan. Il est finalement récupéré. Envoie à Wang. Wang, une belle passe là pour Korneyev. Il y a de l'espace. Korneyev a quitté son tir. Passe qui rate. Korneyev à Wang. Wang a quitté son tir, l'arrêt de Ruchia qui se signale là pour l'instant alors que Gagnon et Lecomte reçoivent de la visite. Ouais, alors on a seulement là le monstre à deux têtes est disparu pour l'instant. Allez, Vermette fait glisser pour Loïc Cuzereau. Retourne à Vermette. Vermette pour Bullens. Passe pour Cuzereau, cercle droit, son tir, le but! Loïc Cuzereau qui marque, c'est 2-1! Nicolas Ruchia est totalement surpris. Loïc Cuzereau regardait ses options, voulait se diriger vers la pointe ou passer la rondelle, a finalement coupé légèrement vers l'enclave, vers le centre de la glace, vers à l'intérieur, quand même voir Yannick Jean. Des Sags dans le fond du territoire, protège le disque, il est rejoint, c'est Bullens qui a le disque. Bullens relance l'attaque avec Gagnon qui veut partir. Gagnon, un contre un, Bullens vient l'appuyer, mini 2 contre 1, Gagnon, son tir et le but! Félix Gagnon! C'est 3 à les Sags, 2 buts d'avance en infériorité numérique. Ça va faire du bien. Oui, absolument. C'était le premier avantage numérique des Islanders depuis la fin de la première période. Ça en est un gros, celui-là, à tout près de mi-chemin là, en troisième période. Il semble avoir un certain soulagement pour Félix Gagnon là-dessus. Passe devant, le disque est intercepté par Alonso Gosselin. Gosselin, il va une passe, c'est intercepté par Powers. Au sol, une mise en échec de Lecomte qui a presque fini au banc. Train. Lutte pour 4, là, c'est Guité qui frappe au vol, mais c'est Kiersey qui intercepte. Il va dans un tir. Bloqué, le disque glisse, c'est le but. Oh, et là, on vient de réduire l'écart à un seul but. On a réussi à surprendre Raphaël Précourt. Semble être... pas vu le joueur à l'origine du but. Est-ce que c'est c'est Mathis Valent, je pense, qui est originaire de ce but. Seulement, le numéro 88 des Islanders là, qui marque. Conrad. Veut passer derrière, Conrad passe devant pour derrière le filet pour Hughes. Hughes revient, son tir bloqué, le retour tenté par Conrad. Un autre tir bloqué par Précourt, les Sags veulent quitter le territoire. C'est Desruisseaux qui va remettre à Lecomte. Un tir dans un filet désert qui est réussi, Nathan Lecomte marque le quatrième but des Sags qui évite la remontée des Islanders. Précédé d'un bel arrêt quand même de Raphaël Précourt devant un attaquant des Islanders. C'est un arrêt clé dans ce match parce que ça aurait pu être 3-3, mais finalement sur la reprise, là, la relance, Nathan.